bateau, dire quelle qualité a ce bateau. Well, it has been a great pleasure to own this boat for more than 10 years now. She's a lovely fast boat and we spent a couple of last year to make her faster and faster. We improved a lot of things on the deck and I'm so pleased that now I think I have all the cars in my head. Yeah. And. She's just such a delight to help. So thank you very much for this this wonderful award. So delighted to be in this beautiful company today. Thank you. Et enfin. Le Neptune de l'armateur de tradition de l'année pour la façade Manche-Atlantique, Pierre-Loïc est là. Pour la Manche, Olivier Pécou, pour l'Atlantique, le club n'est pas loin. Vous allez pouvoir remettre, j'appelle Jérôme Catala, l'armateur de Briel 2. Jérôme Catala. Voilà, un petit mot, Pierre-Loïc. Alors, je suis particulièrement content de remettre à Jérôme ce Neptune, et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà à peu près 10 ans qu'avec Griffon, je cours derrière Briel, et j'ai fait un calcul sommaire, je pense que sur les 10 dernières années, avec Griffon, nous avons passé 11 minutes devant Briel, et un nombre d'heures que j'ose pas dire, derrière Briel. Pendant des années, je me suis dit, il y a quelque chose dans les ratilles, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, ce bateau est beaucoup trop rapide, Griffon a un problème, pourquoi est-ce qu'il est aussi vite? Mais force est de reconnaître que ça n'avait rien à voir avec le bateau. Ça a tout à voir avec l'équipage, malheureusement, pour nous. Donc c'est une indignation complète, mais un vrai plaisir quand même, parce que Jérôme nous a mis pâté sur pâté chaque année, pendant des années, etc. Et il a fait un vrai exploit sur la Transat classique. Et franchement, très franchement, personne ne mérite mieux que Jérôme Catala et l'équipage de Briel de recevoir ce soir le Neptune. L'armateur en Manche Atlantique, remis par un concurrent éternellement humilié. Je vais vous remettre quelques cadeaux et pendant ce temps-là, je vais juste vous dire rapidement. Pendant la Transat classique, les choses ne sont pas passées tout à fait comme prévu. Briel s'était engagé de faire un podium, grave avarie de barre. Environ un micro, Safran refuse de fonctionner sur un des bords, il décide de continuer quand même, donc il décide de continuer à l'ancienne, comme on dit, c'est-à-dire avec un Safran à demi-manœuvrant, et adieu le podium, bonjour le respect de tous les autres concurrents. Plus largement, toute la communauté de la Belle Plaisance est admirative de cet exploit pendant la Transat classique, et en honorant Jérôme Catala, le club classique, et l'Atlantique Club, tout ensemble, souligne l'importance du sens marin, l'humilité devant les déboires occasionnés par les éléments, et la pugnacité d'un équipage qui ne renonce pas, même quand c'est très difficile. Voilà. Alors, je voulais vous dire à pied en déloge, c'est très difficile, de toute façon, de recevoir des prix comme ça. Bon, généralement, on dit merci, merci, merci. Ben oui, vous êtes satisfait de tout. Bon, je suis très content et tout. Qu'est-ce que je peux dire? Effectivement, cette Transat, bon, pourquoi j'ai reçu ce prix, je pense, c'est grâce effectivement à cette Transat classique que l'on a fait et avec l'appareil que nous avons vu. Donc, je remercie surtout mon équipage qui a été extrêmement précieux dans cette aventure parce que bon, c'est vrai, perdre un Safran à 1200 mètres de l'arrivée, c'est un peu difficile. Donc c'est vrai qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On va en Guadeloupe, on va en quoi? On va où est-ce qu'on va? On ne savait pas trop, hein, c'était
c'était un peu difficile. Bon, l'équipage, bon, soudain, bon, enfin bon, a été extrêmement déterminé. Donc bon, tout s'est très bien passé. On est resté cool. Bon, mon copain Alain, je voudrais qu'il vienne à Bob, qu'il vienne sur la scène aussi, qui était non expérimenté. Et pour lui, je pense que ça a été une aventure extraordinaire. On est arrivé, je ne sais pas comment, miraculeusement, jusqu'au bout, on a franchi la ligne d'arrivée. Franchement, je dis merci à mon équipage, je dis merci à tous ceux qui m'ont accompagné dans cette aventure, merci à tous ceux qui ont envoyé le bateau, merci à tous ceux qui ont pu contribuer à que cette aventure soit possible, parce que c'était difficile, on n'avait pas les moyens nécessaires, donc bon, on a fait appel à des aides à gauche et à droite, on a pu réussir cette aventure. Ce que je voulais dire, c'est que l'aventure de Brielle est terminée, donc le bateau est tombant. Donc, c'est fini, on va repartir pour une nouvelle aventure. Brielle a fait gagner trois fois la Coupe des Deux Phares, on parlait de la Coupe des Deux Phares tout à l'heure, il a gagné quatre fois le Challenge sorti, il a gagné plus la Rochelle, donc je pense qu'il a suffisamment terminé sa série. Donc, bon, voilà, je vous remercie. Tous. Merci beaucoup.